Torah Memzaim Vachaltem Achol ve Savoa. Aleph. Torah 46. Mishehu Meshuka betavat achila, biadoua shehu rachok mehemet. Celui qui est enfoncé dans la tavat achila, dans le désir malsain de vouloir manger, stam, c'est connu que cette personne-là, elle est éloignée du Hémet, de la vérité. Obiadoua chez Dinim Shorin Alav. Et il est connu aussi que maintenant les dinim, les jugements durs, reposent sur cette personne-là. Reposent, plutôt, ils se mitgaber sur lui, ils sont durs sur lui. Gamze Siman Al Dalut. Et aussi ça c'est un signe de pauvreté. Gam Yavo l'idée Bizionot ou Bouchot. Cette personne-là risque de passer par des humiliations, va se faire humilier, etc. à travers le fait qu'elle est les trois crochets avec la nourriture, tout le temps en train de manger, en train d'acheter des choses pour faire plaisir à ses papilles gustatives. Bête. Mishehu meshaber ta'avat achila, akadosh baruch hu oseh al yado muftim. Et maintenant celui qui casse son désir malsain de manger, Dieu lui-même va commencer à faire des miracles pour cette personne-là. Le 3. Al yedei b'gam atfila ba'dalut ou busha. Et maintenant, à travers la souillure de la prière, vient la pauvreté et l'humiliation. Dalet. Vechen al-yedei shepogem behemet ba'alav aniyut ou busha. Alors maintenant, quand une personne elle est pogem dans le hémet, elle souille le hémet à travers la vérité. À travers ça, elle lui vient la pauvreté et l'humiliation. Donc quand une personne elle voit qu'elle n'arrive même pas à payer le loyer, elle est dans la pauvreté, elle n'a pas de quoi manger, etc. Il faut qu'elle se pose une question, peut-être qu'elle tape sur le hémet, elle vient et elle cause un bgam dans le hémet, qu'elle a un problème avec son hémet, avec la vérité. Kikar hashirut hu mehemet, puisque l'essentiel de la vérité, de la hashirut, de la richesse, vient du hémet. Donc c'est bien de se remettre en question, justement c'est un baromètre. Quand on voit que vraiment ça va mal au niveau parnassa, et pauvreté et richesse même, on peut même dire richesse, même plus par Nassa, il mentionne ici Hashirut, c'est qu'il y a un problème dans le Hémet, il faut vraiment se remettre en question. Voilà pour la Torah 47.